Hey, cache-toi, je vais faire une mise en scène. Cache-toi. Oui, cache-toi, comme ça. J'adore. Bonjour. Alors aujourd'hui, on accueille sur ma chaîne YouTube un YouTuber de renommée internationale. C'est sûr que vous l'avez déjà vu à quelque part. Il s'agit de... Pierre-Luc Bouchard! Hello! Si tu dis à la maison, voyons, c'est qui ce gars-là, je le connais pas, ben, make sense, parce que c'est pas un YouTuber. Non, c'est ça. C'est juste une personne inconnue tout. J'existe. Je suis une personne qui existe. Il existe, il est vivant. Mm. Le point fort de Pierre-Luc, c'est qu'il a une très belle personnalité et de très beaux yeux bleus. Célibataire. Si jamais vous voulez conquérir le cœur de Pierre-Luc, ce sera au 418. Le fait que j'ai... Fait que la raison pour laquelle j'ai invité Pierre-Luc sur ma chaîne YouTube, de un, c'est un humain incroyable. De deux, c'est un humain... Je suis là, j'approuve. Oui, humain incroyable. Oui, c'est moi, c'est moi. Je me reconnais bien. De deux, ben, c'est un humain qui me fait rire. Et de trois, c'est un humain qui aime rien en termes de nourriture. Dans tous les cas, je suis un humain. Ben, c'est un humain. Fait que je me suis dit, c'est trois trucs vraiment gagnants pour inviter Pierre-Luc sur ma chaîne YouTube et faire un combinaison de bouffe louche. Mais ça m'angoisse un peu. Attends, mais vont-nous commencer par faire la liste des choses que t'aimes pas? J'aime pas les fruits de mer, les poissons, tout ce qui vient de l'eau, mettons. Les légumineuses, les pois, les champignons, les piments, les asperges, les brocolis, ambroises, les bleuets, les mûres. J'ai un problème de texture. Pour vrai, moi, t'as dit... Si c'est juste ça ton problème, hein? Ouais, c'est juste les textures! Si c'est laid pis ça pue, ça me rentrera pas dans la gueule. Ok. C'est ça l'affaire. Ok, là. Mais y'a plein d'affaires que t'as nommé qui c'est vraiment pas laid pis que ça pue pas, t'sais. Ah, tout est laid dans ce que j'ai nommé? Qu'est-ce que tu... Ah, qu'est-ce que c'est dégueu, il se renvoie. Oui, c'est le... tellement bon! Non, on dirait genre un petit fruit en réaction allergique, genre... Ok, un brocoli. Dégueulasse. Tu me dis, c'est dégueulasse. C'est full beau, on dirait une petite arbre. Hein? Non, un homard. Arc. J'en ai mangé hier. Arc. Oh, pourquoi tu fais pas ça? Ah, c'est tellement bon! Crabe, homard, prends, c'est des petits monstres. Mais non! Ouais. Ça a l'air d'un petit monstre. Moi, je mangerai jamais de petit monstre. Genre, c'est dégueulasse. Ça prend une sauce en face. Mais oui, non. Ouais, non, pas grave. C'est tout? Ben non. C'est parce que là, j'y pense pas, mais c'est sûr, c'est pas tout. Là. Mais non, c'est sûr, c'est pas tout. Arc de l'humus. Y'a quoi le tofu? Arc! Y'a rien, Chris. Y'a rien pire que du tofu. Mais voyons donc! Pourquoi qu'on mange du tofu? Ça goûte rien. T'aimes-tu les raisins secs? Arc, non. Évidemment que non. Écrivez dans les commentaires des trucs, puis PL va prendre le temps d'écrire oui ou non si elle aime pas ça. J'aime pas les raisins en général. Mais voyons! Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'engages à goûter à tout? Mais, j'ai... D'avant? Je m'engage solennellement. À essayer au moins. Ouais, ouais. T'as le droit de cracher, ça, je te le dis. Ben là, j'espère, ta mère. Imagine. Oui. Tu n'as pas le droit de cracher. J'ai pas le droit de cracher. Tu dois crève, mon chien sage. Ok, non, mais non. Oui, je vais faire vraiment des efforts, mais ça va être un gros défi pour moi. Ben oui, c'est pour ça que t'es ici aujourd'hui. Barnac. On commence-tu avec le premier service? Ouais. Première des choses, on a toast, beurre de pinot et tomate. Arc. C'est pas si pire. Mais qui mange ça dans la vie, genre? Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a vraiment dit ça. Mais non. Ça doit pas être si pire. En plus, je vous l'ai pas dit tantôt, les tomates, j'en mange. Mais oui? Il y a certaines choses que je peux manger juste d'une certaine façon. Fait que pas sur une toast au beurre de pinot. J'ai l'air d'un Chris de bizarre, mais mettons. C'est ce que t'es. Une tomate. Moi, je peux pas manger une tomate cerise. Ah, pour vrai? Ça me dégueule, ouais. Mais comment tu manges tes tomates? Ben, faut qu'elles soient coupées en tranches minces. Ben voilà. Et cette tranche-là, je la trouve vraiment épaisse. Ça commence mal la vidéo, la gang, là. Ok, bon appétit! T'es prêt? On s'est tient, tient, oui, chip! Attends, mais voyons, je crois pas, c'est une toast, beurre de tomate! Je vais en faire de l'anxiété, pour vrai, c'est le premier truc. Il faut jamais revenir sur ma chaîne YouTube, la gang. T'es prêt? Ouais. Go! En réalité, je serai jamais vraiment prêt, mais. Ok, go! Ouais. Drôle de mix, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est un drôle de mix. Drôle de mix. Mais là, c'est comme le goût du barbecue arrive par la suite. Oui. C'est bizarre quand même. Ouais. Est-ce que les gens, ils vendent des trucs? Genre, non! Ben, peut-être que ça, oui. Ça doit être inventé. Hein? Hey, c'est vraiment pas le pire, ok? Ça doit être un des moins pires, là. J'ai pas. Mais ça a l'air dégueulasse. C'est sûr, mais ça, je suis pas okay. Oh non! Allons-y avec ça. Ok, c'est un shooter de lait avec un égrené de chip barbecue. Puis la fille m'a bien spécifié qu'il fallait égrener les chips barbecue. Puis les laisser, arc, mais ça, les laisser devenir un peu molle. Arc, non, non, non. Ah non, j'ai parlé tantôt vraiment les textures, c'est dégueulasse, ça. Tiens. Oh non, mais attends, on peut pas y aller avec un autre. Non, pas de fait, t'as déjà sali ton gilet. Oh, ça me ressemble. Chris, comment qu'il a pu se tacher? Ah, oh, c'est du beurre de pinot. Voyons, tu dis tu. Je suis le pire! Santé! Attends, mais je suis pas prêt. Non, mais faut pas que tu sois prêt. Faut juste qu'on le fasse. Mais je serais jamais prêt. Pour vrai, j'y pense juste.
est-ce que les gens ils voient de quoi ça a l'air? Ouais, on dirait un petit vomi. C'est un petit vomi, genre. Hey, wow, wow. Oh, ok. Oh mon dieu, il y a des moutons, il y a des moutons, il y a des moutons. Des moutons de chip, on s'en calisse, santé. Mou, genre. Santé. Vite, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'on mange dans la vidéo, là, pis c'est genre vraiment pas le pire, là. Je sais pas si on va être capable de finir la vidéo, la gang. J'ai aucune empathie! Je suis horrible! Oh, on a perdu PL, là. Check it, là. Je suis pas bien, là. Fait que t'es-tu prêt pour le troisième? Eh hey, non, c'est sûr que non. Attends, mais le troisième est pas si pire. Ça fait plusieurs fois que je le vois passer McFlurry avec des frites dedans. Mais moi, j'adore la crème glacée. Et les frites. J'adore, j'aime les frites. Fait ça que ça, ben, pour vrai, c'est ça, je ne ferais jamais ça dans la vie. Ça l'a rien. Mais moi, je pense que ça, on pourrait être surpris, tu comprends? Ouais. Ok, go. Ben. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est vraiment bon! Ouais, puis le petit salé de la frite. Ah, c'est vraiment avec bon! Avec la crème glacée. Ça, c'est étonnant. Oui! Ouais. Ah, j'aime vraiment ça! Tu sais, je pourrais pas dire que je vais me refaire ça un jour, là. Je penserais pas. Mais là, je vais me prendre une deuxième frite. Oui, je pourrais. J'haïs pas ça. Je me prends une troisième frite. Hey. Ça, j'avoue que... Mais ça, c'est un winner, là. Ben, parce qu'après ce que je viens de vivre, j'ai besoin de réconfort. Oui, ben pour ça, c'est pour ça. Ouais. Ok, on est-tu prêt pour le deuxième service? Hein? Je pensais pas. C'est parti! On va commencer avec ça, ok? Tu peux ouvrir les yeux? Oui. Ah non! Tu as parlé de framboise tantôt, j'étais crampée. Quelqu'un m'a proposé framboise moutarde. Arc, même les autres choses, ça a l'air dégueu. Dis quoi ça? Arc! Es-tu prêt pour une inoffensive petite framboise avec la moutarde? Es-tu prêt? Non. Cheers! Non, moi je trouve ça dégueulasse. C'est quand même bon! Non. Ah! Oh, j'aime quand même ça pour vrai. Non, c'est pas bon. Non, non, c'est quand même bon pour vrai. Non, c'est pas bon. Mais c'est pas si pire, avoue. J'ai pas trouvé ça bon. Fait qu'une autre déception pour Pierre-Luc. Ben, c'est parce que ça, je me ferai jamais ça dans la vie. C'est quand tu vas te faire ça, toi, dans la vie? Je sais jamais. On passe une carte. Mais pourquoi pas? Hey, franchement, j'ai le goût d'une framboise. Je me garde. Une framboise moutarde. Prochaine fois que tu m'invites chez toi à souper, tu me fais genre entrée de framboise moutarde. J'en ai fait une à relish, une au ketchup, deux à mayo. Mais voyons donc! Framboise condiment. Prochain, ça c'est des céréales. Ça a l'air d'être des céréales, mais c'est des céréales avec du jus de pickle. Ah non, impossible! Non, ça, ça le fera pas. Jus de pickle? Baby! Moi, je mange pas de cornichon, je mange pas de pécule dans les jus. Mais tu manges le jus. C'est ton cerveau là qui te fait gros, ça sera pas bon, mais peut-être qu'on va être surpris. Tes céréales sont rendues molles. Non, non, non. Ça. Mais qui pense à ça? Je sais pas. Qui s'est dit, ah, oh, Cheerios du pécule? Mais je te jure que j'ai rien inventé. Santé! Go! Oh! C'est tellement bon! C'est tellement bon! Non. Ok, non, mais no joke, j'aime vraiment ça. Ah non! C'est tellement comme deux goûts complètement différents. Moi, je trouve ça. Ouf! Prochain truc, je trouve que ça te permet quand même. C'est une chip Miss Vicky's Jalapeno avec fraises et fromage en grains. Ouais, ça a un bon potentiel. Il y a un bon potentiel. Mais pour vrai, je me ferais jamais ça. Je pense pas que je vois que je ferais. Non, mais peut-être. Comme ouais. Le McFlurry avec les frites, on a été surpris. On a été surpris. Fait qu'on pourrait être surpris, c'est vrai? Au complet ou une croquette? Ben oui, au complet. Ah mon dieu, ok. Go! Du remords que ma bouche finisse. Moi aussi, c'est pas super. Il y a comme trop de mix de saveurs par rapport. Mais la fraise est vraiment trop pour vrai. Ça, c'est déjà un mix que moi je fais. Fromage, ouais. Miss Vicky's. C'est super bon, mais on peut pas faire à semblant que la fraise est pas de trop. Ouais. Elle est trop en cuisse. La fraise est de trop. La fraise est de trop, c'est confirmé. Ça, c'est. Non. Non. Ok, mais t'es-tu prêt pour l'autre? Non. On m'a conseillé ramen. On m'a dit poulet, mais moi je suis végé. Fait que j'ai pris végé. Ramen végé avec du fromage bois vin dedans. Ah ouais, c'est juste ça? Oui, check, ça a l'air dégueu. Ça a l'air mais fucking dégueu. C'est pas des ingrédients qui sont dégueu. C'est deux super bons ingrédients. On n'aurait pas pensé les mettre ensemble. Ouais, mais là, c'est comme. Ben, on dirait des pâtes spaghetti crémeux. Ouais, je sais pas. Vois ça de même. Spaghetti crémeux. Santé.
Ouais, ça c'est vraiment bon. C'est vraiment bon? Ouais, c'est vraiment bon. Ah! Mais visuellement, je trouve c'est ça... C'est dégueulasse. Ouais. Mais tu t'es quand même laissé avoir, laissé tenter au jeu, puis tu as mis ça. Ça c'est bon, quand même. Yeah! Visuellement laid. Hey, on a quand même des réussites dans cette vidéo, je suis étonnée. Ouais, mais des réussites que je m'en ferai jamais. Non, non, mais t'es quand même heureux de l'avoir essayé. T'sais. Ben non, là. Es-tu prêt pour le troisième service? Oui. Ah, t'as dit oui? La première fois! Ok, troisième round. Nous allons commencer avec ceci. Cornichon Nutella. Non! Je me sens comme si, genre, j'étais un démon, là. Mais le Nutella, c'est vraiment un bon aliment, oui. Mais le cornichon... T'es un peu petit ou moins. Ben oui. Ben oui, ben, ben oui. Et ça, je suis une vraie amie, hein. Oui, vraiment. Souligne-le. Ça, c'est smart, parce que toi, t'as quand même un plus gros morceau. Hein. Mais moi, j'adore les cornichons. Mais là, moi, je pense pas le prendre au complet dans la bouche, ça. Surprends-moi. Surprends-nous. Écris dans les commentaires, celui que PL nous surprend. Et là. Mais c'est parce que moi-même, je suis genre de personne qui, mettons, au McDo, je vais dire sans cornichons. Mais t'aimes-tu ça? Ben non. Poser la question, c'est répondre. Ben non! Peut-être que tu vas apprécier le cornichon maintenant que tu l'as découvert avec du Nutella. Ok, on va on y laisse sa chance. J'adore. Tentez! Non, même moi je le cracherais. Non. Ah non, j'ai un petit haut de cœur. Ouais, moi aussi. Je fais partie de ta team. Ça, c'est dégueulasse. Arc! C'est qui le possible du démon qui fait ça, Calice? Pourquoi? T'sais, pourquoi la personne s'impose ça, là? Arc! Les textures, ça se mélange pas. Oh non! Le goût du cornichon vient de le remparaître! Il ne remparaître! Je t'en ai! Moi, je pensais que ça allait être le fun. Ah, on a du fun? Oh, c'est fun. Avez-vous du fun, vous? C'est le fun. Prochain service, nous avons... Oh, tout le monde, moi, j'aime pas les olives. Mais tu m'étonnes. Ça me dégueule, les olives. En plus, j'étais comme, c'est sûr qu'ils aiment pas les olives. Oh, mon Dieu. Fait que je me suis fait un plaisir. Olive! Oh, elle est molle! Je l'ai pris, puis ça fait de... Ah, c'est mou, les olives, je sais pas. Fait que c'est olive et beurre de pinot. Non. Ça doit pas être mauvais. Non, ça semble dégueulasse. Mais non! En plus, là, des fois, c'est juste des petits... Tranche ouais, olive, ouais. Là, toi tu m'imposes une olive. Non mais attends, j'ai pris petit format, il y en a des grosses olives. Oui, il y a des grosses olives. Je t'épargne un peu quand même. Tu pourras pas dire que je t'épargne pas un peu, je t'épargne. Faut que je me rapproche mon bol là. T'es-tu prêt? Non. Ah, ça, c'est sûr que je suis pas prêt, là. Ah, ça me fait pas envie. Mais moi, ça, c'est moins pire que le cornichon super salé avec le Nutella. Mais le cornichon me faisait pas envie non plus, mais ça me fait encore moins. Ah, ouais? Ouais, ça, c'est pire. Ok. Désolé, ben, c'est pas un aliment. Faisons-le d'un coup. Ouais. Ok, go! Attends. Ouais. Y a-tu un décompte ou y a pas des comptes, là? Non, pas des comptes. Y a pas des comptes? Go! Attends, à go ou à. À juste go, Chris! Go! C'est dégueulasse. C'est vraiment moins pire que le cornichon puis Nutella. Non, la texte. Oh, le goût de l'olive. Oh, le goût de l'olive. Ah, je l'ai C'est dégueulasse. C'est vraiment une vidéo qui me fait vraiment plaisir. Ah, ouais? Mais... Tant mieux pour toi. Elle va plus jamais vouloir venir sur ma chaîne. Mais pour elle, la texture de l'olive, puis avec ça, le bon goût de l'olive embarque, c'est comme genre, urk, non, non. C'est rafraîchissant. Ah, mais non, mais c'est oui. Nice, quoi? Un martini avec des olives, c'est bon. Ah. Ensuite, il y a quelque chose qui promet, puis je suis persuadée que ça va être fucking taste. On m'a conseillé ramen, enlever l'eau et rajouter la poudre de Kraft Dinner. Ok, mais juste ça? C'est tout. Pas... Attends, je dois avouer qu'on m'avait conseillé de mettre des cornichons dedans, mais... Ah, ça suffit, là. C'est ça. Absolument, ce qui est bon aussi dans le Kraft Dinner, c'est comme l'ajout du beurre, l'ajout du lait... Non, la... ben c'est ça. Ben non, moi j'ai pas mis de beurre, puis pas mis de lait. Mais je pense que ça va être satisfaisant comme ça. Ça va être... Ah, j'ai perdu ma bouchée! Là, PL, t'exagères! Faut que je me réconforte avec tout ce que je viens de vivre. Mais c'est sûr, c'est bon. Attends, on y va go big or go home, ok? On prend une tabarnak de bouchée. Okay, oh, t'es-tu prêt? On se crie ça dans la gueule. 1, 2, 3, go! Bon! C'est bon! Ouais. Ça, c'est bon. C'est vraiment bon. Et ça, c'est bon, avoue que tu le finirais. Ça, c'est vraiment... Ben, je vais le finir. Ben, ouais. Ça, honnêtement, ça vaut la peine d'essayer. Genre, hangover, c'est genre vraiment bon, ça prend 3 minutes à faire. Hein. Ouais. Mais non, j'aime vraiment la pâte du ramen avec ça, étonnamment. C'est vrai, mais on sent pas qu'on a besoin du beurre ou du lait. Non. Pour venir. C'est comme crémeux, genre. Ouais. Non, c'est vraiment ouais. Ah, oui. 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 Ça, c'est oui, tout le monde. Ah, ouais. Je suis vraiment contente. Est-ce que t'es prêt pour l'ultime service? Il y en a plus que 3 dans celui-là ou? Un seul. Il y en a un? L'ultime service. Allons-y. Nous sommes rendus au Ultimate Service. OK.
C'est un service qui va te mettre hors de ta zone de confort. Ah non. Mais c'est le dernier. Ouais. Fait que c'est pas super. Ok, on est rendu au bout. Il s'agit de... Tu peux regarder? Ça m'a fumé, frère! Oh non, 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 non. Oh là 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 là. Au moins, j'ai pris du poisson de luxe. Hey, faut au moins que je puisse dire une fois dans ma crise de vie que j'ai essayé de te faire manger du poisson. Mais ça, c'est essayé. J'ai essayé. T'es pas obligé de réussir. Non, mais quand, au moins, tu vas avoir essayé, je vais pouvoir le dire à tout le monde. Je vais dire non, mais une fois, PL a fait un effort. Il a goûté. Ah, ça va être long en bouche, là, pis ça finira plus, là, cette bouchée-là encore. Ah, parce que PL, à savoir, vous vous rappelez hein, qu'il aime pas le poisson, tout ce qui vient de la mer. Hey, ça pue tellement. Mais non, ça sent full bon. Puis je t'ai mis un gros oignon. Là, faut le prendre avec nos doigts, c'est comme des gars à manger tout chaud au salon. Mais on ne peut pas avoir une fourchette ou quelque chose. Ben hein? Voyons, Chris, c'est bien fait petit, est-ce-t-il? Il est tellement fait petit, la gang. Hein? Mais arc, juste à penser à la... À toucher au petit saumon mou, frette pis dégueulasse. Hein. Comme on n'est pas la gang, quand je suis excitée de voir Pierre-Luc manger du fucking poisson. Petit saumon. C'est le moment qu'on va se rappeler toute notre vie. J'ai pas dit que tu voulais pas être chier. Là, c'est chose de dégueulasse. Hein? Attends, mais je suis pas prêt. Hein? Oh, mon Dieu. Non, 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 attends. Là, tu mets de la pression, là. Mais non, j'oserais jamais. Attends, santé! Attends, peu. Et un, attends, deux... Attends, 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 attends. Mais tabarnak! Je vais faire un second. Ok, vas-y, fais tes comptes. Mais là, on rote. Un. Deux. Ok, ok. Trois. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu! Là, faut le prendre au complet, oui. Hein? Oh mon Dieu, mon Dieu. T'étais rendu à trois, puis t'étais rendu à go, là. Ok. Trois. Tabarnak. Go. J'ai un bol, hein? Et puis j'ai tout caché à terre. Oh, c'était délicieux. Non. Mais oui. Sur ce, merci Pierre-Luc d'être venu sur ma chaîne. Tu sais, absolument, c'est funky, c'est le fun, il y a un petit verre de vin. Moi, hey, c'est juste des trucs super dégueulasses. Hein. C'était funky à souhait. Pas juste des trucs dégueulasses, on a pris un sundae avec des frites qu'on a adoré. C'est ça. Le ramen Kraft Dinner qu'on a adoré. Ouais. Il y avait pas de surprise. C'est tout. Ben, je suis content de l'avoir fait, comme ça c'est fait, pis on... Non, je t'achalerai plus. C'est ça. Regarde, un commentaire. À autre chose. Écrivez dans les commentaires si vous avez aimé voir Pierre-Luc, si vous aimeriez le revoir. Si vous voulez pas le revoir, ben je comprendrai. Non, c'est hein, ça, je reviendrai pas. Non, c'est... un petit mot pour la fin? Patate. Qu'on s'en attendait pas celle-là. Non. Puis c'est mon mot préféré. Ben ouais. Et c'est mon aliment préféré, moi. Ben, j'adore la patate. C'est vrai que c'est bon, les patates. J'aime les patates sous toutes ses formes. Patates pilées de baisse. C'est vrai que des patates pilées, c'est bon. Des frites, des chips. Ouais. Fait qu'on va finir la vidéo sur. Fait qu'on va finir la vidéo sur. Patates pilées. Bye, à la semaine prochaine. Ciao.